La première fois que je t'ai vu, c'était pas au foyer. C'est dans le couloir, le premier jour où je suis arrivé. Je connaissais personne. Et je t'ai croisé avec tes potes. Toi, tu m'as pas vu. Mais moi, je t'ai vu. J'ai vu que toi, en fait. Oh pardon, je t'avais pas vu, excuse-moi. Ça tombe bien, c'est pour nous deux. Tu viens? C'est nouveau? Ouais. Ça aussi, c'est chelou. Tout est chelou avec toi, en fait. Je dois être chelou, alors. Alors là, j'ai pas du tout dit ça. Hein. Je me suis pas présentée, Chloé. Salut. Et toi, c'est quoi? Elliot. Enchanté, Elliot. Moi, c'est Elliot. Alors, Elliot, c'est quoi ce projet? Alors, ça s'appelle Polaris. Et c'est l'histoire de deux personnages et d'un tunnel. Mais c'est un mec et une nana? Alors, lui, c'est un mec. Et l'autre, peu importe, ça peut être un mec, une meuf, une créature. Tu rentres chez toi? D'accord. Toi, t'attaques direct sur des questions indiscrètes. Ok. Non, mais je plaisante, en fait. Le raton, c'est ton animal fétiche. Le raton laveur. C'est chambé, les ratons laveurs. En plus, ça porte un masque. Ok, je vois. Et moi, si tu devais me dessiner, tu me dessinerais comment? Je sais pas. Faut que je réfléchisse. Et puis en même temps, c'est cool d'être bi, non? Genre, t'embrasses toutes les meufs que tu veux, tu sors avec un mec, tranquille, et tout le monde pense que t'es hétéro. Pourquoi j'irais me foutre avec un mec? Si je kiffe une meuf, bah je kiffe une meuf. Tu choisis de qui tu tombes amoureux, toi? T'es surprenant. J'aime bien les gens surprenants. Salut. Salut. Si tu veux. T'as oublié ça l'autre jour. Merci mec, c'est cool. Il a l'air sympa lui, c'est qui? C'est personne. Donc là tu dois direct avec une nouvelle meuf. Ah ouais. Pas forcément une meuf d'ailleurs. C'était qui ce mec hier soir? C'était un pote. Et Elliot s'est proposé pour peindre la fresque. Ouais, du coup, si t'as besoin d'aide pour la fresque, moi je suis là. Salut. Je peux te parler 5 minutes? Vas-y. Je voulais m'excuser pour hier. Je voulais carrément venir, mais j'ai eu une galère. Du coup, pour me faire pardonner, ça te dit de venir boire un verre chez moi demain? Pétard, bière, c'est toi qui choisis la musique. Je suis désolé. C'est juste que je pensais pas que la soirée allait se passer comme ça. Je pensais qu'on serait tous les deux. Pas toi? C'est là que je viens quand j'ai envie d'être seul. Toi, t'emmènes des gens là où t'as envie d'être seul. T'es le premier. Même pas Lucille. Le premier. C'est là. Où t'as peur? Moi, j'ai peur. Pas peur.
Pas peur, pas peur. Ok, un tout petit peu peur. Ouais, juste attends deux secondes. Il est là le mec dans ta classe? Qui ça? Elliot, je crois. Non, il est pas là. Mais il vient pas trop en ce moment d'ailleurs. Salut. Je l'ai dit à Lucille. Pour nous deux. Tu le sentirais de le dire à tes parents pour nous deux? Et ma mère, elle est tarée, donc on s'en fout. Et pourquoi tu lui parles pas? Parce que j'ai pas besoin de gens tarés dans ma vie. Je crois que je lui dis que j'étais gay. Et je pense que je suis tombé amoureux. C'est pas une meuf. J'ai besoin de toi. T'as pas vu comment il a réagi? Il s'est barré, il m'a laissé comme un con. J'aurais jamais dû lui dire. J'ai comme l'impression qu'à chaque fois que j'arrive au lycée, tout le monde se fout de ma gueule. Tout ça à cause d'un mec qui m'a forcé à faire avec. Oh, il m'a foutu de moi. Car c'est sombre, étroit et ça pue. Aucun intérêt pour ton mouvement. Alors assume, putain. Vis ta vie. Et ceux qui jugent aucun problème avec ça. Enfin, merde. Ils aillent se faire foutre, ok? Mais de quoi? Lucas, t'es gay? Eh ben ouais, c'est vrai, ouais. Non! Désolé pour ce que j'ai dit et pour ce que j'ai fait. T'es mon meilleur pote. Et si t'entends quelqu'un utiliser la religion pour justifier sa haine, ne l'écoute pas. Parce que c'est fou. La haine, elle vient pas de la religion. Elle vient de la peur. Il arrive, genre, là, maintenant. Ça finit bien de te voir seul. Ça m'avait manqué. T'avais l'air bien avec Lucille la dernière fois. C'est cool que vous m'en parliez.
pourrais dire ça. Pourquoi? Depuis que je t'ai rencontré, il n'y a que toi qui compte. Salut. Je crois que tu t'es débarré ce matin. Bah non, tu vois, je suis là. On n'est plus ensemble avec Lucie. La dernière fois que tu m'as dit ça, je t'ai retrouvé avec la langue dans sa bouche. Et... j'avais peur que tu fais pas d'un truc sérieux. Mais je veux un truc sérieux. Bon, du coup, vous connaissez Elliot, vous même? Ouais, ouais. Ouais. Et eh ben c'est mon mec. Voilà. C'est mon mec. Il est canon. Ton avis, il y a combien d'Eliott et de Lucas qui sont mariés dans tes univers pareils? Eliott! Eliott! Je comprends même pas ce qui s'est passé. Il est bipolaire, Lucas! Tu comprends ça? Tu penses qu'il t'aime, mais c'est faux. T'es rien pour lui. T'es juste une putain de bébé. La preuve, il a largué sa meuf pour toi. Il a rencontré tes potes. Puis vous marrez bien quand vous êtes ensemble. Vous marrez bien ensemble. Et en plus, il a essayé de te recontacter. C'est quand même bien le signe qu'il veut te voir, non? Tu sais, c'est pas parce qu'il est bipolaire qu'il ressent rien. C'est même le contraire, hein. Crois-moi. Ça doit pas t'arrêter. Les gens, il faut les prendre comme ils sont. The city skies feeling dark tonight. We're back to back with our heads down. Just look at me, give me more tonight. Just give me more of your love now. Let's set fire to the lonely nights. You're beautiful when you look at me. Let's give love another life. 'Cause you'll be safe in these arms of mine. Just call my name on the edge of the night. I'll run to you. T'es plus tout seul. Avoir besoin de toi. Qu'est-ce que je dois faire? Il n'y a pas de formule magique. Sois compréhensif. S'il veut dormir, laisse-le dormir. S'il veut pas parler, l'oblige pas à parler. Il y aura des moments où tu pourras juste le regarder. Et tu te sentiras impuissant. Et quand il en a pas envie ou besoin, attends. Let it be the sign. Parce qu'il reviendra toujours vers toi. Le plus important, Lucas, profite des moments cool. Il y en aura. 'Cause you'll be safe in these arms of mine. Écoute, Lucas, je suis pas teubé, on est lundi matin, je me serais douté que t'étais parti en cours. Puis tu m'as laissé un mot, non? Je suis désolé.
ce matin. T'inquiète, on s'en fout. Non. Si. Non, on s'en fout pas. C'est arrivé et ça arrivera encore. Et j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de te faire mal ou j'ai pas envie de te faire peur, de te blesser. J'ai pas envie que tu souffres à cause de moi. Moi aussi j'ai plein de défauts. Moi aussi je vais me barrer, je vais claquer la porte, je vais faire la gueule. Mais la vérité c'est que je préfère que tu me saoules plutôt que tu sois pas là. Tu sais quoi? À partir d'aujourd'hui, on va faire au jour le jour. Non, on va faire mieux. On va faire minute par minute. On a 10 minutes par minute. Even if it's gonna break me, love, I'll run to you.